Congrès national, à peu près, il paye tous les 138 sièges contre seulement 62 au BJP. Il y a quatre facteurs. Il y a la corruption et surtout l'affaire Adani, quand maintenant fin fait beaucoup d'allégations à l'égard du gouvernement de Modi. D'ailleurs, Adani, ce nom ne circule même dans le secteur, vraiment dans le secteur de l'offshore. Il y a pas d'allégations, secteur offshore à Maurice. Il y a bien sûr la corruption, il y a la hausse des prix, la flambée des prix, le coût de la vie. Et aussi, Ban Ki-moon fin gagne une certaine peur, frayeur, qui certains ban institutions importantes n'est plus et n'a l'indépendance. C'est-à-dire, le judiciaire, par exemple, Gandhi perdit son siège comme député du Lok Sabha, parce que j'ai vu dans le Karnataka, à cause d'une ferme de commentaires en public à l'égard de Modi, à l'égard du nom de Modi. Et comme on connaît, la démocratie, il y a des affaires très très importantes chez les Indiens, de l'Inde, très très importantes. Je ne sens pas la démocratie érodée. Il y a autant de ces facteurs qui finissent faire, qui le BJP finit perdre l'élection. Mais aussi, il y a un autre facteur, c'est que Rahul Gandhi finit revivre ce parti. Il finit faire un pèlerinage qui remonte à quelques mois de ça. Bharat Jatara Yatra, il finit faire une marche d'à peu près plus de 4000 km. Il marche depuis le sud, complètement sud de l'Inde, et les finales sont dans le nord de l'Inde, dans le Cachemire. Il fait un pèlerinage. Et pour redonner son image,